Salut tout le monde, c'est Barry et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Skyrim. Alors, on va affronter le dragon. Ah ouais, mais non, je pourrais pas transporter. Ouais, je vais peut-être faire un saut à Blanche Rive, moi. Oui, déplacement rapide ici. Ouais, oh, c'est bon. Du coup, je vais aller ici. En espérant que la nuit n'est pas tombée. Ah bah si. Bon bah on va attendre. Parfait. Oh merde. Bon, je vais attendre une heure de plus. Ah bah lave-la. Je ne prétends pas être la meilleure. Épée, casque. Alors, arme, est-ce que tu vends des flèches d'acier? Voilà, ça m'intéresse. Parfait. Des flèches orques aussi? Oui. Ok, il y a quoi d'autre? Tenue. Y a rien. Bah, gantelet elfique. Bah voilà, il y en a en fait. Gantelet de cuir d'archerie accru. Ah, ça m'intéresse. Pour l'enchantement. Oh putain, j'ai plus de thunes. Ah si, j'ai 500. J'ai pas fait gaffe. Bon, ok, tenue. Casque de fer. Des lingots de fer. Ok. Et je peux pas te vendre au fait des matériaux là? Pas d'aller voir à l'intérieur. Il me semble que si. Faudra que j'aille vendre mes ingrédients. C'est vrai que dans le jeu, les marchands, ils prennent que dans le thème de leur commerce. Casque. À peu près tout ce qu'il vous faut. Arc de chasse de crainte. Non. Inflige-vous un point de dégâts de magie. Ouais, mais j'ai pas la thune, de toute façon. J'ai pas la thune du tout. Alors. Bon, ok. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Aussi. Tiens, je vais aller au vendeur de... Bah, je vais vendre d'abord mes ingrédients, tout ça. Je vais vendre mes potions aussi, j'en ai plein. C'est quoi ça? Épicerie Bellator. Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Tout est à vendre! Bon, un peu de tout. Livre. Attirer à pâté, ouais, ça c'est pour le la pêche. Carte de pêche, déchéance. Présent les rossignols, livre sort d'illumination. Ok. Nourriture. Tiens, je vais te vendre tout ça. Et ouais, voilà, tout ça, ça coûte... Enfin, ça pèse, hein. À force d'en avoir une palanquée, voilà ce qui arrive. Ingrédients. Je vais les garder, je vais d'abord faire mes potions. Améthyste. Il me semble que ça se vend, oui. Mais c'est pourquoi? Ah oui, c'est pour faire des couronnes. Bon. Os de dragon, j'en ai besoin. Rubis. Écailles de dragon aussi. Très bien. Potion. Ah merde, il a plus assez de ok. Revenez donc. Quoique, attends. Si vous vendez votre... Bon. Un peu de tout. Potion. Potion de soins légers. Potion de magie. Soigne toutes les maladies. Ça peut être intéressant aussi. Bon, très bien. Alors, breuvage d'altération. Breuvage d'illusion, de destruction. Breuvage de force. La capacité de port... Ah, je vais le garder, ça. C'est peut-être... Ça va être utile. Ouais, ça aussi. Ah, il a plus de thunes. Bon, très bien. N'oubliez pas... Il a pas de... Il a pas de coin pour faire des potions, non? Bon. Je vais aller chez le... Celle qui fait les enchantements, enfin les potions, là. Ici, voilà. Ça s'appelle comment? Le chaudron d'Arcadia, voilà. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Tiens, je vais faire les potions ici. Vous avez des questions. Ah.
Hop, voilà. Tonique, baume, cataplasme et potions. Regardez tant que vous voulez. Vous avez l'air. Madame. Mes potions et ingrédients vous intéressent ? Alors, je vais vous acheter des potions de soins. Potions de santé. Voilà, des potions de soins et de soins légers. Ça vous fera un peu de thunes. Ce sera très bien pour moi. Livre. Recette poison de peur. Poison paralysant. Poison de renfort. Poison paralysant, ça peut être intéressant, ça. Divers. Non. Ingrédients. Potion. Ok. Potion de vigueur persistante. Regain magique. La magie se régénère 23% plus vite pendant 300 secondes. La cible est 9% plus vulnérable à la magie pendant 30 secondes, ouais. Bon, ça, c'est des renforts d'armes à deux mains. Je sais pas si je peux faire boire des potions. Renfort de conjuration, ça, c'est trop important. Restauration de santé. La vigueur, on s'en fout un peu. Régénération de santé, résistance au poison. Résistance à la foudre, hein, à la glace. Invisible pendant 20 secondes. Ah ouais, ça peut se faire. Ouais. Merde, elle a plus assez d'or. Bon, très bien. S'il vous faut un Alors, je vais lire la recette de poison paralysant. Cœur de ronce, mycène des marais. Mais je le connaissais pas. Comment ça se fait que ça a pas fait un... Potion de renfort de portage. D'accord. Revenez quand vous voulez. Eh, mais attends, tu vends des gemmes spirituelles ? Mais regardez donc. Non. Bon. Eh ben, écoutez... Alors au niveau des... Voilà. Gemme spirituelle magistrale vide contient commune âme. Gemme étrange. Torche. Bon. Eh bien écoutez. On va retourner ici au bassin. Non, c'est pas le bassin de Mornevent. Voilà, camp de l'arbre endormi. Et on va affronter le dragon. Puis je vais voir pour aller à Rorikbourg s'il n'y a pas de point d'intérêt en chemin. Sinon je mettrai fin l'épisode au point d'intérêt. On va enregistrer. Il y a un géant là-bas. Yes. C'est bon. Alors attendez, potions. Renfort de conjuration. Mais punaise, pourquoi il se barre là-bas? Viens ici. Allez, affronte-moi. Là, j'y crois pas, on dirait qu'il se barre en fait. Il m'a fait claquer une potion pour rien. Ah, c'était sa tombe ici. Bon, peut-être qu'il va venir nous affronter ici. Vous avez jamais dû venir ici. Mais j'ai rien fait. Justicier de Talmor. Mais pourquoi ils nous affrontent pas? Ah, enfin!
mon Atrona qu'il anticipe les mouvements du dragon, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait n'importe quoi, ce dragon. Il affronte tout le monde sauf moi. Putain, merde, on se retrouve à affronter des gens que normalement on devrait pas. Putain, il pique en plus, c'est... Alors, potion de magie. Ok. Ordre d'exécution. Putain, mais le merdier! Mais non. Merde. Là, il est chiant, ce dragon, parce qu'il se pose quasiment jamais. Enfin. Allez, on le savate. Vuljotnak. C'est bon. Parfait. Eh ben, punaise. Ouf. Je crois que son... Ouais, je vais prendre son pouvoir. Et même si je m'éloigne, le pouvoir, je l'ai quand même. Âme de dragon. Alors, je vais aller voir cette grotte, là. À moins que c'est la grotte où j'étais tout à l'heure, non? Non, c'est pas... Donc, on va aller la voir. Enregistré. Grotte du croc cassé. À mon avis, il y a un smilodon là-dedans. Bon, on va aller voir. Les vampires. Vampires gorgés de sang. Oh punaise, j'y crois pas. Je pensais que j'avais assez de santé, je la voyais baisser, mais bon, je pensais que... Merde. Oh mais non! C'est pas ce que je voulais, désolé. Alors, breuvage du forgeron, crochet, grenade, poussière de vampire. Ok, c'est bon. Squelette, âge d'armes antiques. C'est quoi ça? C'est une bouteille vide. Linge ensanglanté.
Il y a encore quelqu'un. Hop. Merde. Parfait. Améthyste, or, parchemin, harmonie, potion de magie légère, collier d'argent et d'améthyste. Ben voilà, c'est pour forger des colliers, les améthystes, les rubis, tout ça, donc, mais moi je les vends. Parce que c'est pas... mon personnage, il est pas forgeron, quoi. Hein? Est-ce que je vais prendre son âme? Non. Je sais pas. Aucune gemme... ouais, merde. Aucune gemme est assez balèze pour prendre son âme. Alors. Crochetage, cool. Poison de magie dilué. Tas de sel. Venin de givre père. Voyons voir un peu. Restauration de santé. Hop. Il va falloir que je fasse le plein de potions quand même. Hein, parce que là... Masse d'acier de capture. Pierre de Varlin parfaite, vide. Collier de magie. Magie 30 points. Je crois que c'est un collier pour l'armure légère que j'ai. Anneau d'archerie. Eh ouais. Je prends le collier de magie. Comme ça, je pourrais lancer un double, une double conjuration. Un baiser, chère mère. On va voir un peu c'est quoi ce livre. D'accord. Ça donne aucune expérience, aucun point de compétence que dalle. Enfin, un point de compétence, on les a avec notre... Mais... Au moins, je sais que je peux lire les livres pendant que je suis en train de fouiller. Alors, je vais mettre la torche parce qu'on voit rien. Voilà. Ça c'est quoi? Farine d'os. Celle de givre. Poussière de vampire. La danse du feu. La folie de la chance. La folie de chance. Et c'est les plus sombres ténèbres, d'accord. Oula, gym spirituel noir. Insignifiante. Ah. Illusion. Gym spirituel ordinaire. Épée d'acier de flamme. Désenchanté. Oui, ça, je vais le désenchanter. Collier d'un blé cuit aussi. Gantelet de cuir d'archerie accru. Oui, voilà, ça, c'est important. Objet. Et j'ai un point de compétence. Gants elfiques, enchantement, renfort d'archerie. Magistral. Oh mais non, j'ai gaspillé une... Les arcs infligent 4% de dégâts supplémentaires. Oh bah non, je vais pas faire ça maintenant. Quitter l'enchantement, oui. Bon, et ça c'est quoi, linge ensanglanté? Ben, je crois qu'on a tout visité, hein. Cœur humain. Ah oui. Aussi incroyable que ça puisse paraître, cœur humain, pénalité de santé. Bon. Parfait.
Bon allez, on va continuer. Donc soit au prochain point d'intérêt, soit bah il y a le prochain point d'intérêt là-bas. Et ouais, Rorikbourg est par là. Bon, je vais aller vers Rorikbourg. On voit là-bas Rorikbourg. Normalement, c'est là-bas. Hein. C'est la maison, le bâtiment qu'on voit en haut de la colline. C'est quoi aussi? Éloquence. Or, et ça c'est quoi? Hôtel de Zénithar. Merde, toutes les maladies ont été soignées. Ah ok. Enfin, c'est cool ça. Et un autre dragon. Je crois qu'il attaque Rorikbourg. Ah non, c'est pas Rorikbourg le bâtiment là-bas, c'est là Rorikbourg. On voit l'auberge. Mais ouais, le dragon attaque Rorikbourg apparemment. On va s'en occuper. Oh punaise! Je pensais que c'était le cri du dragon. Non mais. Après, j'aurais bien envie de faire des épisodes spéciaux où on incarne un chasseur, un pêcheur, un alchimiste. On fait des trucs intéressants. Attendez 2 secondes. Voilà. Et mon PC qui surchauffe, c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'entendre un truc se connecter, se déconnecter. Je sais pas pourquoi il surchauffe, putain. Va peut-être falloir que j'achète de meilleurs ventilateurs. Parce qu'ils sont peut-être pas assez puissants. On va enregistrer. Allez, viens ici. T'es où? Ah, mais non, c'est Alduin! Il est en train de ressusciter un dragon. Bon bah on va l'affronter. Potion. Potion de l'enchanteur. Pendant 60 secondes, l'enchantement des objets. Ah merde! Je fais pas assez gaffe à mes potions. Renfort de conjuration. Voilà. Allez, viens ici. Nagliv. Ah, mais c'est un dragon squelette. Ah non, il est en train de le ressusciter, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Merde, je pensais qu'il allait être blessé, donc bah, je crois qu'il va se crasher là. Voilà, ouais. Avec quelques bugs. Yes! Je vais gagner un point de compétence. Voilà! Je transporte trop de choses, Lydia! Alors, voyons voir. C'est d'hiver. Ouais. Os de dragon. Et écailles de dragon. Nickel. Bon, ben voilà.
Alors, magie, on va mettre la santé parce que je prends cher au niveau santé. Bon, et les armures légères, là, ça augmente pas? Faut que je prenne des coups avec l'armure légère, mais bon, archerie. Niveau 60, c'est quoi ça? Appuyer sur parade en cours de visée permet d'effectuer un zoom. Bon. Conjuration. Demande 70. Et là, on a quoi? Atromancie. Double la durée des atronaques conjurés. C'est super, ça. On va prendre ça. Voleur d'âme. C'est... Ah ouais, ok. Toutes les armes liées lancent piège spirituel. Les armes liées permettent de bannir les créatures en cours d'invocation et de prendre le contrôle de celles déjà invoquées. Oh, génial. Les morts vivants, non? Ouais. 50% plus puissant, ça va être ça le prochain. Je vais donc maximiser mes pouvoirs de... Enfin, maximiser. Évidemment. Mais je vais surtout faire de... me battre avec des sorts de conjuration. Et nous voilà à Rorikbourg. On peut faire à manger? Ah, il y avait du tas de sel dans le pot, ok. L'auberge de Rorikbourg. Eh ben écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Skyrim. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.